en Jean 6, 40. La volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie. La volonté de mon Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie. Ça, c'est la volonté du Père. Alléluia. Mais qu'est-ce que le Père a dit? Le Père a dit que le monde est dans le désarroi. Le monde est dans les difficultés. Le monde est dans le désespoir. Parce qu'il veut se sauver par ses propres moyens, mais il n'y arrive pas. Alors Dieu suscite un de ses fils, le prophète Ésaïe. En Ésaïe 35, 4 à 10, Ésaïe dit, comme Dieu voit vos souffrances, vos peines, vos maux, vos maladies, vos morts, vos infirmités, alors qu'est-ce qu'il fera? Il viendra lui-même. Pour faire quoi? Pour vous sauver, pour vous guérir, pour vous consoler. Il viendra lui-même. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Dieu viendra lui-même. Ceux qui ont pris l'écriture au pied de la lettre ont regardé le ciel. Ils n'ont pas vu Dieu descendre. Alléluia. Parce que Dieu a dit par la bouche de son prophète, lui-même Dieu allait venir pour que les hommes soient sauvés, pour que les malades soient guéris, pour que des infirmes soient guéris, pour que des lépreux soient purifiés. Alors, il regardait. Il va venir par où? Il viendra quand? Quand on voit un nuage se former, c'est lui qui est en train de venir. Ils ont fouillé, ils ont cherché, ils n'ont rien vu. Mais vous savez ce que Dieu leur a envoyé? Alléluia. Vous savez ce que Dieu leur a envoyé? Dieu leur a envoyé un homme appelé le Fils de l'homme, le Fils unique, le Christ, le Fils bien-aimé. C'était un homme. Quelqu'un me comprend? Et pourtant Dieu a dit, je viendrai moi-même. Frères et sœurs, pour comprendre Dieu, il faut comprendre la révélation de sa parole. Est-ce qu'on entend? Tant que tu ne comprendras pas la révélation de sa parole, tu seras à côté de Dieu. Tu ne comprendras pas Dieu, donc tu ne bénéficieras pas de ses grâces et de sa bonté. En Jean 3, 16, il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Tu as, c'est pas ce que tu as dit. Tu as dit que toi-même tu viendras. Mais au lieu que tu viennes, tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Quelqu'un me comprend? Dieu dit, je viens. Mais en lieu et place qu'on voit Dieu, on voit plutôt son Fils, appelé le Fils unique. Quelqu'un me comprend? Appelé le Fils de l'homme, le Fils bien-aimé, le Christ, qui veut dire sauveur. Amen. 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 Alors, ce matin, vous allez comprendre ce thème. Amen. Afin que vous sachiez qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez. Amen. Vois Jésus en ses serviteurs et crois. Vois Jésus en ses serviteurs ou en ses envoyés et crois. Il faut voir Jésus en ses serviteurs et crois. Amen. Il faut voir Jésus en ses serviteurs et il faut croire. On veut voir Dieu. Les Juifs voulaient voir Dieu parce que Dieu a dit que moi-même je vais venir. Mais on n'a jamais vu Dieu. Amen. Au lieu de voir Dieu, on a vu un homme qui est venu de sa part, appelé Jésus, le Fils de l'homme. Amen. C'est lui qu'on a vu. Et quand on l'a vu, il est venu pour accomplir la volonté du Père. Et quelle est cette volonté? La volonté du Père est que quiconque me voit et croit en moi à la vie éternelle. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Logiquement, c'est qui on devait voir pour avoir la vie? C'est qui on devait voir? Dieu lui-même. C'est lui on devait voir. Et c'est lui on devait croire pour avoir la vie. Mais en lieu et place de cela, il envoie un homme appelé Jésus, qu'il faut voir, qu'il faut croire pour avoir la vie. Amen. Voici le plan de rédemption de Dieu, le plan de salut de Dieu. Dieu veut te sauver, veut te guérir. Il veut avoir miséricorde de toi. Il veut t'apporter ses bénédictions. Mais il ne viendra pas lui-même. Il envoie toujours quelqu'un. Est-ce qu'on peut dire quelqu'un? Amen. Au lieu que Dieu vienne, il envoie Jésus. Amen. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qui se passe? Quand il vient, qu'est-ce qui se passe? Marc, Matthieu chapitre 4, 23-24. Quand il vient, qu'est-ce qui se passe? Lui qui est l'envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Parce que Dieu a dit de Jésus. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection et
écoutez-le. Amen. Quiconque ne l'écoute pas n'a pas la vie. Quiconque ne le reçoit pas n'a pas la vie. Alors Dieu lui-même rend témoignage que son Fils est le porteur de la vie éternelle parmi les hommes. Tu veux avoir la vie éternelle? Il faut voir Jésus, il faut croire en lui. Amen. Mais il y a des rebelles qui ont dit non, nous on n'accepte pas Jésus comme celui par lequel nous devons avoir la vie. Alors ils ont choisi leur branche d'adoration. Dieu que vous pouvez voir aujourd'hui sur la terre. Alléluia. Ils ont leur propre prophète à eux. Il n'y a pas deux fils, il n'y a pas trois fils. Il n'y a qu'un seul fils. Voilà pourquoi il est dit unique. On peut avancer? Est-ce que le peuple de Dieu suit? Il peut dire fortement amen. Alléluia. Beaucoup se sont choisis des religions taillées sur mesure avec des prophètes particuliers. Amen. En dehors du seul homme que Dieu nous a envoyé pour que nous ayons la vie, c'est-à-dire Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire fortement Jésus-Christ? Dieu, dans sa volonté, veut que nous soyons sauvés, mais en croyant en celui qu'il a envoyé, en le voyant d'abord, en croyant en ce qu'il va vous dire afin que vous soyez sauvés. Oui, mon frère. Matthieu 4, 23 à 24. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée. Oui. Enseignant dans les synagogues. Jésus parcourait. Il est enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle. Du royaume. Et guérissant toute maladie. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Vous allez voir ce que Dieu a dit qu'il allait faire. Quand lui-même allait venir. Dieu a dit que quand je viendrai, ceux qui ont le cœur brisé seront rassurés. Oui, frère. Ésaïe 35, à partir du verset 4. Oui. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Ne vous découragez pas. Attends. Prenez courage. Ne vous découragez pas. Qui est-ce qui a le cœur troublé? Qu'est-ce qui peut troubler ton cœur? Ce sont des difficultés. C'est une infirmité. C'est une maladie. C'est un démon. Ce sont des problèmes. Alléluia. C'est toutes sortes de choses qui peuvent venir à te perturber, te troubler, à te distraire. Alléluia. Alors Dieu vous dit ce matin que tous ceux qui sont dans ce cas-là, qu'ils fassent quoi? Prenez courage. Alléluia. Amen. Donc Dieu te dit ce matin, il faut prendre courage. Car lui-même a compris tes douleurs. Il a vu tes maladies, il a vu tes infirmités, il a vu tes pleurs, il a vu tes soucis, il a vu tes gémissements. Il sait que tu es en grande difficulté et il te dit, faut prendre courage. Car je viendrai moi-même pour t'apporter la solution. Alléluia. Alléluia. Alors quand tu pleures, Dieu voit tes pleurs. Quand tu cries, Dieu voit tes cris. Quand tu te plains, Dieu comprend tes plaintes. Quand tu es malade, Dieu sait que tu souffres. Car un homme qui est malade est un homme qui souffre permanemment. Alléluia. Un homme qui est infirme, regardez sa situation. Alléluia. Un homme infirme, certainement qui n'arrive pas à marcher. Alors que ses semblables marchent, il est obligé de se traîner. Amen. Finalement, il faut qu'il ait un mental d'acier pour accepter sa situation. Afin de se donner une raison de vivre. Mais ce n'est pas aisé. Alléluia. Un homme qui ne voit pas clair, il est handicapé. C'est difficile pour lui. Parce qu'il a besoin des autres pour pouvoir faire certaines choses élémentaires. Alléluia. Alléluia. Un homme qui n'entend pas, c'est difficile pour lui. Alléluia. Un homme qui est lépreux, c'est difficile pour lui. Il vit difficilement parmi les hommes. Un homme qui est fou, c'est difficile pour lui. Quand par moment, la raison lui vient, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Toutes ces choses ont besoin de la compassion de Dieu. Alléluia. Quand tu es bien portant, tu ne peux pas t'imaginer quelqu'un qui souffre. Pas t'imaginer quelqu'un qui est malade. C'est difficile. Alléluia. Des fois, quand tu vas à l'hôpital et tu vois des malades qui sont en train d'agoniser, c'est là que tu as de la peine. Tu dis, comme ça, l'homme souffre. Quand tu as un parent qui est en train de mourir, qui est dans ses derniers jours, tu vois comment il se traîne. Il n'arrive plus à se déplacer. C'est l'homme qui le déplace, qui le nettoie. C'est tout pour lui. Il ne devient plus un être humain. Des larmes commencent à couler. C'est là que tu vois que Dieu est amour.
que Dieu voit et il dit, prends courage. Alléluia. 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 Tant que tu es en forme, tu ne peux jamais t'imaginer la souffrance de ceux qui souffrent. Amen. Tant que tu as l'argent, tu ne peux jamais t'imaginer la souffrance de ceux qui n'en ont pas. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quand on est dans le manque, on souffre terriblement. Et cela touche le cœur de Dieu. Et ce Dieu qui est touché par ce que nous vivons dit, prenez courage. Car je ne suis pas un homme. Je suis Dieu. Et j'ai un cœur. Je sais que vous souffrez. Mais prenez courage. Alléluia. 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 Amen. Oui, mon frère. Ne craignez point. Ne craignez point. Attends. Ouais. Ne craignez point. Ne dites pas. Mais quel est mon sort? Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Non. Il dit prenez courage. Ne craignez pas. Ça veut dire, dans la situation dans laquelle vous êtes là, il viendra forcément quelque chose ou quelqu'un venir vous secourir. Alors, ne craignez point. Ne craignez pas de mourir. Ne craignez point. Ne craignez pas d'être abandonné. Ne craignez point. Alléluia. Amen. Ne craignez pas d'être rejeté. Ne craignez pas. Car moi, le Dieu qui a compassion des pauvres, des misérables, des malades, des infimes, je viendrai à vous au moment venu. Ne craignez point. Oui. Voici. Voici. Votre Dieu. Dieu. La vengeance viendra. Votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Il viendra. Lui-même. Il viendra. Lui-même. Il viendra. Lui-même. Alors Dieu dit que lui-même va venir. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le président de la République dit, il viendra ce matin ici. Alléluia. On regarde, on ne voit pas président et on voit le frère qui est là, le frère Logan. Amen. Amen. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il dit, il m'a envoyé. Dès qu'on entend, il m'a envoyé, chacun va dire, oh. Alléluia. Parce que lui là, on le connaît. Vrai ou faux? On sait, quand on le regarde, on le sait. On va se dire, mais attends. Ah, mais le gars, il nous a eu. Hein? Mais le PL lui-même doit venir. Et puis on voit Logan. Mais Logan va nous en donner, il va nous apporter quoi? Vrai ou faux? Il va nous dire quoi? Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il a, il a le pic? Est-ce qu'il a le cachet? Est-ce qu'on me comprend maintenant? Alors, Dieu dit qu'il va venir lui-même. Mais le monde s'est réjoui. On veut voir Dieu. Si on a vu Dieu, alors tous les problèmes sont réglés. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tout le peuple d'Israël attendait ce Dieu de pied ferme. Parce que le problème est haut. Oh, alléluia. On peut avancer? Quelqu'un peut dire amen fortement? Oui, mon frère. Il viendra lui-même. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Et il va vous sauver. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand Dieu va venir, le signe par lequel on sait qu'il est là, c'est que les aveugles vont voir clair. Les sourds vont entendre. Oui. S'ouvriront les oreilles des sourds. Les sourds vont entendre. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Les infimes vont marcher. Et la langue du muet éclatera de joie. Le muet va parler. Car des eaux. Oui. Jailliront dans le désert. Il y a le désert, mais on ne parlera plus de désert. Parce que le désert sera irrigué. Il aura de nouvelles plantes. Alléluia. Il aura de la nourriture. Parce que là où on parle d'eau, on parle de nourriture. Il aura de la nourriture. Vous n'aurez plus faim. Oui. Et des ruisseaux dans la solitude. Oui. Vous ne serez plus dans la solitude. Vous ne serez plus seul. Vous ne serez plus rejeté. Vous ne serez plus abandonné. Quand Dieu lui-même viendra. Alléluia. Alors, face à cette bonne nouvelle, face à cette nouvelle excellente et extraordinaire, le peuple attendait de pied ferme ce grand jour glorieux. Il regarde le ciel, il regarde dans les nuages, il ne voit pas de traces de Dieu. Alléluia. Mais il voit un homme venir. Matthieu 4, il voit un homme venir. Et cet homme commence à pratiquer des choses bizarres et étranges. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Prêchant la bonne nouvelle du royaume. Et guérissant toute maladie. Guérissant toute maladie. Et toute infirmité parmi le peuple. Et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit. Oui. Dans toute la Syrie. Oui. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies
On lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques. Des lunatiques. Des paralytiques. Et il les guérissait. Une grande foule le suivit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Les gens attendaient Dieu. On ne voit point Dieu, mais on voit un homme appelé. Il vient. Et il parcourt toute la terre, tous les villages, toutes les villes, en annonçant la bonne nouvelle du royaume des cieux, mais également en guérissant les malades, en ressuscitant les morts. Alléluia. En ouvrant les yeux des aveugles, en permettant aux muets de parler, aux boiteux de courir, en apportant la bonne nouvelle à tous et à toutes. Alléluia. Quand les scribes et les pharisiens ont vu ceci, ils ont dit, mais attends, il s'agit de quoi là? Alléluia. Et Dieu, Jésus leur dit, vous sondez les Écritures, pensant trouver en elles la vie, mais pourtant, ce sont elles qui parlent de moi. Mais pourquoi ne voulez-vous pas croire en moi et venir à moi pour que vous soyez sauvés? Amen. Ils s'attendaient à voir Dieu, mais ils ont vu Jésus. Alléluia. Ils s'attendaient à voir Dieu. Alors ton Dieu te dit ce matin, vois quoi? Vois Jésus en ses serviteurs et crois. Alléluia. Les gens voulaient voir Dieu, mais Dieu leur a donné la voie par laquelle on devait le voir. Car Dieu est invisible. Fallait recevoir Jésus-Christ. Fallait le voir. Fallait croire en lui pour avoir la vie éternelle. Quand ils l'ont vu, ils l'ont rejeté parce qu'ils n'ont pas cru en lui. Ils ont dit, non, toi, tu es un démon. Alléluia. Ils l'ont mis à mort. Ils l'ont vilipendé. Ils l'ont traité de tous les noms de Marguia. Alléluia. De tous les noms de sauterelles. Alléluia. De tous les noms des démons. Et ils l'ont mis dehors. Hors de la synagogue. Hors de la ville. Hors de la maison. Ils l'ont mis hors de la ville. Là où il a été crucifié au mont de Golgotha. Pour dire, on n'a pas besoin de toi. Parce qu'on veut voir Dieu. Toi tu viens. Tu es un menteur. Alléluia. Dieu vous dit ce matin, ne faites pas la même erreur que les Juifs d'hier. Alléluia. Vous voulez voir Dieu, mais Dieu ne trouve jamais. Dieu prend toujours des corps. Il utilise toujours des corps. Il a utilisé le corps Jésus. Amen. Pour qu'on puisse voir Dieu, il a utilisé le corps Jésus. Alléluia. Jésus vient à son tour et il annonce la bonne nouvelle du royaume des cieux. Il met autour de lui 12 apôtres. Est-ce qu'on peut dire fortement 12 apôtres? Alléluia. Il met autour de lui 12 apôtres. Il dépose sur eux la flamme de l'Esprit, le Saint-Esprit. Alléluia. Jean chapitre 20, 21-23. Luc chapitre 10, verset 16. Il dit, voici des hommes que je vous envoie. Si vous les recevez, alors vous me recevez. Amen. Si vous les écoutez, alors vous m'écoutez. Comme moi, j'ai été envoyé par Dieu. Et j'ai dit au monde, si vous m'écoutez, alors vous êtes celui qui m'a envoyé. Si vous me voyez, alors vous voyez celui qui m'a envoyé. Car celui qui m'a envoyé est en moi. Peuple de Dieu, est-ce qu'on comprend ceci? Oui. Jean 20, 21, 23. Oui. Jésus leur dit de nouveau. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé. Moi aussi je vous envoie. Ah, donc quand Dieu veut sauver les hommes, Dieu ne vient pas lui-même. Qu'est-ce qu'il fait? Envoie. Alors comme le Père m'a envoyé, moi Jésus, moi aussi je fais ce que je vois au Père. Comme le Père a fait, moi aussi je fais pareillement. Alléluia. Le Père m'a envoyé. Il m'a dit que les hommes, lui il vient, mais il envoie. Alors c'est moi qu'il a choisi, il a envoyé. Il m'a donné un nom que le monde doit connaître. Le Fils de l'homme. Le Fils bien-aimé. Le Christ. Alléluia. Oui frère. Après ces paroles. Il souffla sur eux. Et leur dit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit.
il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Seigneur ne fait que faire exactement ce que Dieu a fait de lui. Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Rappelez-vous que quand Jésus-Christ est allé vers Jean-Baptiste pour recevoir son baptême, quand il est sorti de l'eau, une colombe est venue se poser sur lui, le Saint-Esprit. Quand il a reçu son baptême d'eau, le Saint-Esprit l'a effusé. Donc Dieu l'a baptisé du Saint avant de l'envoyer prêcher la bonne nouvelle. Frères et sœurs, sans le Saint-Esprit, tu n'es pas encore un envoyé de Dieu. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit te permet de demeurer dans toute la vérité de Dieu, dans toute la lumière de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'humilité de Dieu, dans la fidélité de Dieu. Alléluia. Tu n'ajoutes pas à sa parole, tu ne retranches pas à sa parole. Les gens ont tout de suite fait l'abréviation en disant recevoir le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Alors on impose la main aux gens et on leur apprend à parler en langue. Le Seigneur nous dit, n'empêchez pas les gens de parler en langue, de prophétiser, ni de manifester les dons de l'Esprit. Mais que tout se fasse dans l'ordre. Le fait de parler en langue n'est pas un signe exclusif que tu as reçu le Saint-Esprit. C'est ta marche qui va déterminer si véritablement tu l'as reçu ou pas. Alléluia. Comment est-ce que tu te comportes quand tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que ton cœur est encore dans l'iniquité? Parce que le Saint veut dire, oh Dieu, quand il vient sur toi, il fait quoi? Il te sanctifie. Ton cœur devient droit, il devient pur, tes pensées deviennent droites, deviennent pures. Ton comportement change, car tu es conduit par la vertu de Dieu. Tu marches dans la crainte de Dieu, dans l'humilité, dans la sagesse, dans l'intelligence et dans tout ce qui est parfait devant Dieu. Alléluia. Tu parles en langue, mais pourtant tu es un adultère. Tu parles en langue et pourtant tu es un voleur. Tu parles en langue et pourtant tu es un tricheur. Tu parles en langue et pourtant tu mets les gens en palabre. Tu parles en langue et pourtant ton cœur est noir et très mauvais. Tu parles en langue et c'est toi qui fais tout ce qui est mauvais. Ça, ce n'est pas recevoir l'Esprit de Dieu, mais c'est le parler en langue du diable que tu as. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car le diable aussi parle en langue. Et comment savoir que ce qui est en toi est l'esprit du diable? Car le diable est identifié par ses attributs. Il est identifié par sa façon de faire. La méchanceté vient du diable. Le mensonge vient du diable. L'impudicité vient du diable. La moquerie vient du diable. Si tu parles en langue et tu fais des choses, c'est que tu parles en langue du diable. Alléluia. Alléluia. On peut dire amen fortement. Voilà pourquoi nous disons, quand il y a des manifestations du don de l'esprit, regardez très bien la personne qui est sous l'onction et regardez sa vie. Quand les deux choses ne vont pas ensemble, c'est que la personne est possédée par un démon. Alléluia. Alléluia. Quand les deux ne vont pas ensemble, c'est un démon qui est là. Un démon peut voir clair. Un démon peut prophétiser. Balaam était un démon, mais Balaam prophétisait. Alléluia. Alléluia. Paul a chassé une femme qui était remplie d'un esprit de python. Elle prophétisait. Mais pourtant, c'était un démon fait chair qui était là. Fallait d'abord délivrer la personne avant de prendre ce qui était de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi ne donnez pas foi à tout ce que vous entendez et à tout. Sondez cela d'abord pour voir si cela vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut avancer. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? Oui. Ceux à qui vous pardonnerez. Écoutez les, bien. Ceux à qui vous pardonnerez les ceux péchés. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés. Mais attends, va trop loin là. Est-ce que quelqu'un comprend bien ceci? Il dit, reprends frère. Ceux à qui vous pardonnerez. Ceux à qui vous allez pardonner. Les péchés. Les péchés. Ils leur seront pardonnés. Ils leur seront pardonnés. Mais ceux-là, ça représente qui? Ceux représentent qui? Ceux représentent qui? Amen. Amen. Dieu a envoyé qui? Les apôtres. Par la main du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ dit, moi je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Celui qui vous reçoit alors me reçoit. Celui qui vous voit alors m'a vu. Celui qui vous écoute alors, je vous envoie encore plus loin. Celui à qui vous allez pardonner les péchés, moi aussi je vais lui pardonner ses péchés. Hein? Alléluia. Si vous pardonnez les péchés des hommes sur la terre, moi le Seigneur, je pardonne aussi leurs péchés et Dieu pardonne aussi leurs péchés. Alléluia. Alléluia. Vois Jésus en ses serviteurs et crois. Dieu veut sauver le monde, mais il ne sauve pas le monde comme ça. Il utilise toujours des corps humains. Il faut des hommes pour parler aux hommes. Tant qu'il y a des hommes sur la terre, Dieu va toujours utiliser des humains pour leur parler. Mais comme Dieu sait en même temps que l'homme est incrédule et il veut voir lui-même en lui le plan de son envoyé,
alors il périt dans ses péchés et il reste toujours malade. Amen. Amen. Celui que Dieu a envoyé, est-ce que tu as cru que c'est Dieu qui l'a envoyé? Parce que celui que Dieu a envoyé, voilà comment on peut l'identifier. Jean chapitre 3, 33 à 34. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne lui est pas donné avec mesure. Celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Comment savoir que ce serviteur-là, Dieu l'a envoyé? Alléluia. Il est dit que celui que Dieu a envoyé dit les paroles. Il ne dira pas ses propres paroles. Il ne rendra pas son propre témoignage. Alléluia. Il se tiendra dans la vérité. Il se tiendra dans la lumière. Et il dira les paroles de Dieu. Le monde ne va pas l'accepter. Le monde ne va pas le recevoir. Le monde va le bouder. Le monde va le rejeter. Mais le Seigneur dit, de la même manière on m'a rejeté, on va aussi vous rejeter. Car je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Alléluia. Quand on voit une brebis parmi les loups, il s'attend à quoi? À être dévoré. Quand vous allez prêcher, vos amis ne vont pas, vous qui partagez, vos amis ne vont pas liker. Ils ne vont pas commenter. Ils ne vont pas partager. Ils vont partager tous les autres commentaires, toutes les autres vidéos, tous les autres, tout ce qui sera posté. Mais pourquoi? Parce que ce qui est à l'intérieur est dérangeant. Amen. Ce qui est à l'intérieur est choquant. Ce qui est à l'intérieur ne fait pas qu'on vous approche. On dit, mais ce gars, j'aime pas ses postes. C'est un peu trop bizarre. Alléluia. Mais si quelqu'un poste tout à l'heure, mon frère, tu vas avoir 100 000 à la fin de la journée au nom de Jésus. Tu vas taper. Sois honnête. Tu vas taper. Alléluia. Alléluia. Et si tu dis, il faut partager à 100 personnes. Tu vas commencer à regarder ton répertoire, ça ne fait pas 100. Tu vas appeler tous tes amis, Joe, il n'y a pas de nouvelles ici. On dit de partager, on va avoir 100 000 d'ici la fin de la journée. On dit de mettre la foi à l'épreuve. Faisons, on va voir. Et ils font ça partout. Ils partagent et ils comptent, ça fait 100. Ils disent, ah, j'attends pour moi maintenant. C'est des choses comme ça qui ne sont pas agréables à Dieu. Amen. Mais qui sont agréables aux yeux du monde. Quand les gens ont des actions, des postes, ils tendent à encourager la politique, à encourager les peurs. Alors tu vois tout le monde se groupe dessus et puis on partage, on met like, on commente. Parfois quand ça passe dans ton fil d'actualité, tu vois des frères qui sont là, qui commentent, qui disent, ah, c'est bien même. Et ils sont assis ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Amen. Amen. On peut avancer? Amen. Ils aiment ça parce que ils sont assis, mais c'est, dans leur esprit, c'est bénédiction. Parce qu'il a problème de 100 000. On dit, si tu as dit amen, tu vas avoir 100 000 à la fin de la journée. Est-ce qu'il va aller loin? Alléluia. Un homme corrompu. Un homme mort. Alléluia. Mais tes paroles doivent être celles de Dieu. On ne doit pas en retrancher. Elles doivent demeurer les paroles de Dieu. Et cette parole-là, le monde ne l'accepte pas. Le monde la rejette. Mais ce n'est pas parce que le monde l'a rejetée que vous allez être découragés. Non, ils ont rejeté le maître de gloire, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Mais il a continué sa marche. Amen. Tant que le Saint-Esprit est avec toi, tant que ton Dieu est avec toi, ne sois jamais découragé. Quand les gens vont t'abandonner, quand les gens vont te récuser, quand les gens vont te vilipender, quand les gens vont te calomnier, quand les gens vont t'arracher ce qu'ils t'ont donné, toi dis que la volonté de Dieu soit accomplie. Alléluia. Alléluia. Job avait reçu de grands biens, de grandes richesses, de beaux enfants. Alléluia. Il avait reçu et obtenu le respect de la société. Mais quand Dieu est venu frapper à sa porte, Dieu lui a tout arraché par la main de Satan. Alléluia. Mais Job, il ne s'est pas morfondu, il ne s'est pas pendu. Amen. Qu'est-ce que Job a dit? C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Que sa volonté soit. Alors ce matin, ton Dieu te dit, la volonté du Père est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Frères et sœurs, quand tu pries Dieu, ne cherche pas à faire la volonté d'un homme, d'une femme, d'un voisin, d'un partenaire, mais cherche plutôt à faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand Jésus a été envoyé, il a dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Alléluia. Alléluia. Alors, quand les serviteurs de Dieu ont été envoyés, les Paul, les Pierre, les Jean, les Jacques, les André et autres, ils ont cherché une seule chose, la volonté de Dieu.
Alléluia, alléluia, alléluia. Quand ils ont pris Pierre, ils l'ont crucifié. Quand ils ont pris Jean, ils l'ont jeté dans de l'huile bouillante. Mais il n'a pas dit, si c'est affaire d'huile là, moi je renonce. Mon cher, où ça va dans affaire d'huile là, je ne suis pas Nyomi. Alléluia. Mais il a continué sa marche et il a dit, même si on doit me mettre dans l'huile, car cela ne plaise à Dieu, je rentrerai dans cette huile, mais je ne changerai jamais ma manière de prêcher. Alléluia. Quand ils ont saisi Pierre, ils ont vu le crucifier. Il dit non, ce que vous avez fait à Jésus là, faites-moi ça. Mais si vous me faites ça, vous me rendez identique. Crucifiez-moi comme vous voulez, mais pas à la manière de Jésus. Mais je ne vais jamais reculer devant la mort, parce que je ne changerai pas ma manière de prêcher. Et c'est ainsi qu'ils ont tué Pierre. Alléluia. Pour ce message, il n'y a pas d'amitié dans le monde. Parce que quand tu le prêches, tout le monde te fuit. Tout le monde t'abandonne. Tout le monde te rejette. Tout le monde t'attaque. Tout le monde te retire ce qu'il avait donné. Mais toi, reste fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Alors, quand Jésus est venu, il a dit, Père, tu m'as envoyé pour faire ta volonté. C'est pourquoi, vous qui m'écoutez, celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, ce n'est pas moi qui voit, mais il voit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Alléluia. Celui qui me reçoit, ce n'est pas moi qui le reçoit, mais il reçoit celui qui m'a envoyé. C'est ça, la foi. Amen. Parce que la foi, c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais si on voit Dieu, il n'y a plus de foi. Alléluia. Il faut qu'on voit un homme. On va voir Dieu en lui. Tout le monde peut le faire. C'est la foi. Alléluia. Alléluia. Si on a vu Dieu, on ne pourra plus manifester la foi. Parce qu'on l'a vu. Mais si on voit quelqu'un en qui Dieu est, c'est trop compliqué pour croire. Et c'est en cela que Dieu dit, ils seront très peu nombreux ceux qui vont y croire. Et c'est pour cela que je suis venu pour mourir. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a eu lieu hier aura encore lieu aujourd'hui et demain. Car selon Ecclésiaste 3:15, il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Si Dieu a sauvé l'humanité en envoyant un homme en qui il fallait voir Dieu, alors aujourd'hui, si l'enlèvement n'a pas eu lieu, Dieu enverra encore ses serviteurs en qui il faut voir Christ pour être sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On peut l'amener fortement. Alléluia. Alléluia. Parce que le Seigneur Dieu a donné le pouvoir et tout le pouvoir à Jésus. Afin que Jésus marche, afin que Jésus domine tous les pouvoirs de la terre. Alléluia. Qu'il guérisse toutes les maladies, toutes les infirmités. Et qu'il fasse tous les miracles possibles. Parce que Dieu l'a envoyé. Dieu a envoyé également par la main de Jésus les disciples appelés apôtres au nombre de 12. Alléluia. Alléluia. Mais les disciples de Jésus, les apôtres, ont parcouru les villes, les villages, les hameaux et toutes les contrées pour annoncer la bonne nouvelle. Mais également pour guérir les malades. Alléluia. Mais également pour guérir les malades, pour chasser les démons, pour ressusciter les morts. Car ce qui était en Christ, Dieu l'a déversé en ses apôtres. Amen. Et ce qui était dans les apôtres, Dieu l'a déversé en tous les prédicateurs qui allaient venir après eux. C'est pourquoi il dit en Jean 17, 14 à 21, Père, je ne prie pas seulement pour les apôtres que tu m'as donnés aujourd'hui, mais également pour tous les prédicateurs qui viendront, pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Alléluia. Ceux-là, il faut les garder dans le monde. Ils ne sont pas du monde, mais garde-les dans le monde. Et donne-leur tous tes pouvoirs afin qu'ils soient convaincants quand ils parleront de ma part. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi Jésus est venu pour montrer Dieu au monde. Et Jésus a parlé de Jésus a guéri les maladies, les infirmités, a chassé les démons, a ressuscité les morts. Car c'est ce que Dieu voulait faire qu'il a déversé en Jésus. Alléluia. Jésus n'a pas fini son travail. Mais son ministère est resté sur la terre. Il a confié son ministère aux apôtres. Et les apôtres ont continué son ministère en annonçant la bonne nouvelle de Dieu,
en guérissant les malades, en chassant les démons, en résistant les morts, en purifiant les lépreux. Les apôtres n'ont pas terminé le ministère et ils l'ont déversé en tous les prédicateurs qui allaient venir après eux. Eux aussi doivent annoncer la bonne nouvelle, chasser les démons, ressusciter les morts, guérir les malades, purifier les lépreux. Car c'est cela la bonne nouvelle. C'est en cela votre Dieu dit, je leur ai donné un évangile éternel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, frères et sœurs, il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas trois évangiles. Il n'y a pas quatre évangiles. Les gens vous ont dit, évangile de Jean, évangile de Matthieu, évangile de Marc, évangile de Luc. Ça fait quatre. Alléluia. Mais Jean n'a pas d'évangile. Pierre n'a pas d'évangile. Paul n'a pas d'évangile. Matthieu n'a pas d'évangile. Luc n'a pas d'évangile. Marc n'a pas d'évangile. Voilà pourquoi il est écrit de façon honnête par ceux qui ont transcrit les paroles de Dieu. L'évangile selon Jean. L'évangile selon Matthieu. L'évangile selon Luc. L'évangile selon Marc. Ça veut dire la prédication donnée par... Alléluia. Alléluia. La prédication donnée par Matthieu. La prédication donnée par Luc. La prédication donnée par Jean. Mais cela n'est pas d'eux. Cela vient de Dieu. Un évangile éternel. Alléluia. 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 Ce que Dieu a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi recevez les prédicateurs. Regardez-les. Écoutez-les. Et par la foi, vous verrez Christ en eux. Alléluia. 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 Si vous avez vu Christ en eux, saisissez ce brin de foi. Saisissez cette graine de foi et manifestez tout ce que vous voulez. Alléluia. Obtenez tout ce que vous voulez. Car c'est en voyant Christ et c'est en croyant en lui qu'on est sauvé. Mais comme Christ est mort et ressuscité et qu'il est allé au Père, mais on va le voir où? Car Dieu dit, la volonté du Père est que quiconque voit le Fils et croit dans lui est la vie éternelle. Alléluia. Mais il est où? Dis à ton frère, il est où? Alors aujourd'hui encore, les gens vont chercher avec torche le Seigneur Jésus dans toutes les villes, dans tous les quartiers. Alléluia. Dans les déserts, dans les maisons. Il leur a dit, si on vous a dit que je suis dans une maison, ne croyez pas en cela. Si on vous a dit que je suis dans le désert, ne croyez pas en cela. Si on vous a dit que je suis dans la ville, ne croyez pas en cela. Alléluia. Mais il est où alors? Il est dans ses serviteurs. Alléluia. Dis à ton frère, il est dans ses serviteurs. Alléluia. Il est dans ses serviteurs. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu veux être exaucé quand tu pries Dieu, il faut apprendre à voir Christ. Il faut apprendre à l'écouter. Mais comment le voir et comment l'écouter? Regarde celui que Dieu t'a envoyé. Est-ce qu'il se tient dans la parole? Si il se tient dans la parole, alors manifeste la foi. Fais valoir ta foi et tu verras le Christ en lui. Alléluia. Quand tu vas voir le Christ en lui, alors tu seras guéri. Alors tu seras ressuscité. Alors tu seras restauré. Alors tu seras délivré. Parce que le Christ qui a guéri hier, guérit encore aujourd'hui en étant dans un corps humain. Alléluia. Alléluia. Il dit, Père, mon temps est arrivé. Il faut que je m'en aille au Père. Vrai ou faux? Mais en même temps, il vous dit, je vous enverrai un autre consolateur. Le Père vous enverra un autre consolateur en mon nom. Et il sera avec vous jusqu'à la fin du monde. Montre-moi le consolateur. Moi aussi, je veux le voir. Alléluia. Tu l'as une fois vu? Et pourtant, il dit, dès que le corps de Jésus monte, il y a un autre qui va descendre. Mais il est où? Amen. Amen. Il a dit aux apôtres, attendez, vous allez le recevoir. Les apôtres et tous ceux qui avaient cru en ce message ont attendu dans la chambre haute. Ils ont attendu cela dans la chambre haute. Ils n'ont vu personne. Mais une seule chose a été manifestée. Des langues de feu sur les têtes. Et quand ils ont reçu ces langues de feu, ils ont commencé à se comporter bizarrement. Alléluia. Ils ont commencé à se comporter bizarrement. Mais qu'est-ce qu'ils ont alors reçu pour se comporter bizarrement? Alléluia. Alléluia. Ils ont reçu ce qui avait été promis. Jésus-Christ en nous. Amen. Jésus-Christ en nous. Alors, et tous avaient reçu Jésus-Christ en eux. Alléluia. Voilà pourquoi, quand ils ont commencé à parler en langue, c'était des langues qu'on pouvait comprendre, qu'on pouvait entendre. C'était un parler qui voulait dire quelque chose. Quand tu suis, tu as l'impression que cela veut dire quelque chose. Alléluia.
Mais ce n'est pas le barabara, gori, 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 gori. Bon, depuis 20 ans, c'est barabara, gori, gori. Mais dis quoi? Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si cela veut dire, je n'ai pas dit forcément que c'est ça, mais je prends une interprétation comme ça. Si cela veut dire, lève-toi court, lève-toi court, lève-toi court. Mais vous allez fatiguer tout le monde. Parce que tous les jours, lève-toi court, lève-toi court, lève-toi court. Mais un homme finit par se fatiguer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors le parler en langue, c'est comme tu parles ton langue. Est-ce que c'est les mêmes mots? Mais c'est des phrases que tu fais. Alors le parler en langue, tu as l'impression que c'est des phrases qui sont... Quand tu suis bien, tu sens que c'est des phrases qui sont construites. C'est quelque chose. Alors priez. Si vous entendez ça, alors priez dans l'église pour que Dieu envoie le don d'interpréter cette langue. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, dans l'église, si des gens parlent en langue, n'empêchez pas les gens de parler en langue. Mais faites une seule chose. Si c'est conduit par le Saint-Esprit, il y aura au plus 3 personnes qui parleront en langue. Au plus. Et chacun parlera. Chacun parlera. Ça veut dire si le frère parle en langue, si Dieu le saisit tout à l'heure, il va commencer à parler. Quand il s'arrête et que ce qu'il doit dire n'est pas complet, n'est pas fini, n'est pas achevé, Dieu saisit par exemple le frère Dora qui se met à parler en langue pour compléter la lettre du premier. Il va saisir la soeur qui est là, qui va commencer à parler en langue pour compléter la lettre du deuxième, pour que les 3 lettres disent quelque chose. Le parler en langue. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors quand vous priez, priez Dieu pour que Dieu vous manifeste son amour, sa miséricorde, afin que vous soyez témoin. Fait. Mais la dénomination a raccourci rapidement pour dire, si Dieu parle en langue, il faut faire gori, pas. Amen. Des fois, les gens vont copier. Ils vont copier exactement quand ils entendent là. Attends, le frère, il a dit quoi? Faut enregistrer, faut enregistrer, faut enregistrer, enregistre. Et quand ils les ont enregistrés, qu'est-ce qu'ils font? Ta, to, pa, ra. Ils posent ça par cœur. Mais c'est dangereux. Dis à ton frère, c'est dangereux. Alléluia. C'est un don. Un don veut dire qu'on t'a donné. Tu n'apprends pas. Ça tombe sur toi sans que tu ne t'en rendes compte. Alléluia. Ça te saisit à un moment où toi-même tu ne sais pas. Et tu commences à parler en langue. Mais si tu dois fabriquer ça, si tu dois t'apprêter pour dire, bon, je vais parler en langue. Tu prends une position spéciale. Amen. Ou bien tu appelles quelqu'un, tu dis, bon, aujourd'hui tu vas voir, je parle en langue. C'est-à-dire que je parle en langue, tu penses que tu ne crois pas, non, regarde, hein, je parle en langue maintenant. Écoute là-bas. Vous voyez que c'est de la comédie. Dis à ton frère, c'est de la comédie. Parce qu'il y a des gens comme ça qu'on a entendu dire, je parle en langue, tu vas voir, je vais t'appeler, puis je parle en langue, tu vas voir. Et puis il appelle son correspondant et il commence à parler en langue. Pour lui montrer qu'il y parle en langue. Mais frère, c'est de la comédie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On est découragé? On peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alors, vois Jésus en ses serviteurs et crois. Amen. Si tu as vu le serviteur que Dieu t'a envoyé, regarde en lui, tu verras Christ. Et quand tu verras Christ, saisis-le comme la femme l'a fait. Alléluia. Quand elle a vu Jésus, il y avait une foule compacte autour de lui. Elle ne pouvait pas avoir accès à la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce qui est venu à son esprit? Elle a dit une seule chose. Jésus, c'est Dieu. Dieu là, l'habit a été porté sur lui. Même dans son habit, je peux voir. Alléluia. Même dans son habit, je peux sentir la présence de Dieu. Alléluia. Alors la femme, par un degré de foi élevé, elle a dit, Seigneur, tu n'as pas besoin de me dire quelque chose. Tu n'as même pas besoin de me toucher. Et moi, je vais toucher ta robe. Pas en haut, pas au milieu, mais en bas. Mais pourquoi en bas? Quand tu veux que Christ te touche, apprends l'humilité. Alléluia. Apprends l'humilité. Il y aura des hommes, il y aura des femmes, il y aura des gens qui vont vouloir t'empêcher, qui vont vouloir être un obstacle. Toi-même, tu peux être un obstacle pour ta propre foi à cause de ton orgueil. Alléluia. Mais ton Dieu te dit, si tu veux voir le Christ, faut te rabaisser. Amen. 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 Le Seigneur voit Nicodème, qui est un docteur de la loi, un homme d'un certain âge. Lui, Jésus, un jeune homme à peine de 30 ans. Alléluia. Il voit Nicodème, un vieillard, un dignitaire de la religion. Et il lui dit, faut naître de nouveau. Amen. Le gars regarde sa barbe, il regarde sa moustache, il regarde ses cheveux blancs, il regarde sa canne, il regarde sa Torah, il regarde son siège douillet. Il regarde le tapis sur lequel il marche. Il regarde autour de lui les serviteurs. Et Jésus petit là lui dit, va encore te se prendre pour qui? Alléluia. Il se prend pour qui? C'est pourquoi aujourd'hui, un homme peut être un homme de Dieu. Un pasteur, alléluia. Un docteur, alléluia. Un prophète, un évangéliste. Et tout ce que vous pouvez imaginer.
la religion, mais quand il croisera cette parole, il faut qu'il aille à l'eau du baptême. Alléluia. 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 C'est ça que la dénomination ne peut pas accepter. Mais moi j'ai 1000 fidèles, j'ai 100 000 fidèles, j'ai 40 000 fidèles. Mais comment je peux aller encore à l'eau du baptême? Mais c'est ce que Jésus a dit à Nicodème. Car Nicodème était un patron de la dénomination, un chef de la dénomination. Mais Jésus lui a dit, va à l'eau du baptême et sois conduit maintenant par le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Vous pensez hier que Dieu allait venir? Non, Dieu n'en vient pas, mais Dieu envoie des hommes. Tu ne croyais pas en cela. Maintenant que tu y crois, change toute ta manière de penser, toute ta manière d'adorer, change tout ton circuit d'adoration. Alléluia. Faut changer ton logiciel d'adoration. Or, si tu dois changer, il faut commencer d'abord par formater. Alléluia. Alléluia. Parce que ton Dieu te dit, tu ne prendras pas le vin nouveau. Dis à ton frère le vin nouveau pour le mettre dans une vieille outre. Alléluia. Tu ne prendras pas un vin nouveau pour le mettre dans une vieille outre. La conséquence sera quoi? C'est que tu vas perdre et le vin et l'outre. Il dit encore, tu ne prendras pas un nouveau vêtement pour le coudre à un vieux vêtement yougou yougou. Alléluia. Mais tu es ridicule. Amen. Parce que les deux vont se déchirer lorsque tu seras en paix. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, si tu veux coudre un vêtement, cherche un autre vêtement neuf. Maintenant, si tu as confiance en deux anciens vêtements, c'est à tes risques et à tes périls. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un est découragé? Est-ce qu'on peut amener fortement? Alléluia. Voilà pourquoi, quand Dieu t'envoie un serviteur qui se tient dans l'écriture, et par la foi, tu vois Christ en lui, fais attention à certaines choses, à la médisance, aux critiques. Alléluia. Alléluia. Aux mauvaises pensées. Parce que tu peux être extérieurement bon. Fais du bien. Alléluia. Tu assistes. Tu fais tes offrandes. Tu fais tout ce que tu peux. Tu vas visiter les frères, les sœurs. Quand on te regarde de façon extérieure, tu es bien. Mais ton Dieu te dit, il connaît ton cœur et il connaît tes pensées. À cause de ça, ta prière peut être bloquée. Parce que celui par qui il te guérit, celui par qui il prie pour toi, celui par qui il te ressuscite là, tu as des mauvaises pensées contre lui. Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. C'est pourquoi il dit, priez pour vos conducteurs. Priez pour ceux que Dieu vous a envoyés. Car ils exposent leur vie pour que vous ayez droit à la vie de Dieu. Pour que vous ayez droit à la guérison de Dieu. Au miracle de Dieu, au prodige de Dieu. Priez pour eux. Mais en lieu plein de cela, ne vous mettez pas 2 à 2, 3 à 3, en groupe, en clan, en tribu, pour faire des critiques. Matin, midi, souvent on attend vers les 18h. Amen. Alléluia. Non, ne faites pas ceci. Alléluia. Ah, mais le prédicateur, regarde comment il était habillé la dernière fois là. Mais ne regarde pas comment il était habillé. Regarde qui était en lui. Alléluia. Qui était en lui. Alors, quand tu viens à la prière, au lieu de regarder comment il est habillé, comment il parle, comment il est coiffé, concentre-toi sur ce que tu dois voir en lui pour être guéri. Alléluia. Alléluia. Ah, mais ça veut ça, il y a 3 fentes. Mais attends, là tu es venu pour écouter la parole de Dieu, pour voir Christ en lui. Tu es assis, tu comptes le nombre de fentes qu'il a dans sa veste. Amen. La chaussure là, c'est quel nom même? Hein, ouais, ça là, j'ai vu ça quelque part. Voilà le nom de la chaussure. Ah, mais c'est ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Les lunettes du prédicateur là, ça c'est lunettes lui 14. Lui Vuitton. Lui, tout ce que vous voulez. On n'a pas dit de venir être un expert en lunettes, en chemise, en chaussures. Mais on dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'ouvrira les yeux de Dieu pour que tu puisses voir en celui qui te parle le Christ Jésus, pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi quand vous venez au lieu de prière, restez concentré sur la parole, sur les prières. Et ne regardez pas celui qui est en face de vous, non, sur l'enveloppe, mais regardez qui est en lui, le Christ Jésus, pour que vous ayez la vie de Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont découragés quand on va en visite. Alléluia. Quand on va en évangélisation, on dit, ah, voilà nos pasteurs. Il dit, oui, pasteur qui vient évangéliser, c'est chaud, hein. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et on regarde tête des pasteurs, on dit, oui, amen. Mais il n'est pas gros, il n'est pas en forme. Mais où est sa voiture même? Amen. C'est un pasteur en devenir ou bien il est à l'école encore? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que nous, on connaît les pasteurs. Quand on voit le pasteur, on sait. Mais ça là, André, vrai là, André, on l'a ramassé quelque part. Hein. Alléluia. Hein, frère, c'est pas ça? André, on l'a ramassé. Ah. Alléluia. Mais c'est ce qu'on a dit de Jésus. Les gens l'ont vu. Et ils ont dit, Jésus là, on dit c'est Dieu.
Oh, c'est Dieu qui a créé toutes choses. Mais, amen. On ne montre pas son village avec sa main. Donc, Dieu qui a créé toutes choses. S'il doit créer son fils unique, il doit créer son fils unique sur une beauté parfaite. Une beauté sans pareil. Mais quand il crée son fils, quand il crée son fils, en Ésaïe 53, 1 à 4, regardez comment il façonne son fils unique, Jésus le Christ. Amen. Vous allez voir le portrait de Jésus le Christ pour savoir comment Dieu l'a présenté au monde. Quelle est l'image que Dieu lui a donnée? Quel est le visage que Dieu lui a donné? Quel est le teint que... Amen. Pour savoir à partir de maintenant si le Jésus qu'on vous montre dehors est le véritable Jésus ou est l'incarnation ou est l'image du diable. Amen. Est-ce qu'on peut rentrer dans ça rapidement? Et on termine tout à l'heure. Alléluia. Quel est le portrait que Dieu fait de son propre fils? Qui peut décrire son fils mieux que lui-même? Alléluia. Qui peut décrire son enfant mieux que lui-même? Frère, c'est possible ça? Amen. Ma soeur, c'est possible? Le monsieur qui a fait son enfant, amen, il sait comment l'enfant est. Et vous lui envoyez une autre photo et vous dites que c'est ton enfant, prends ça forcé. Vous avez vu ça où? Même pour adopter un enfant, on regarde d'abord visage. Est-ce vrai ou faux? Pour adopter un enfant, on regarde visage. Alléluia. On peut l'amener fortement. Oui. Ésaïe 53, 1 à 4. Oui. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Mais qui peut croire en ça? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui sait que c'est Dieu qui a fait ça? Allons-y. Il s'est élevé devant lui. Il s'est élevé devant lui. Comme une faible plante. Alors Dieu a fait de lui un homme qui ne soit pas robuste. Un homme qui ne soit pas baraclé. Alléluia. Un homme qui ne soit pas en forme, si vous voulez. Amen. Genre un bodyguard, un sportif. Amen. Ce n'est pas un gars comme Salomon. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, il l'a rendu une faible. Mais quand vous regardez une plante et puis quand vous regardez sa forme, sa vigueur, et on vous dit une faible plante, regardez les plantes qui poussent sous les arbres, ça s'élève vite. Donc, on peut deviner la forme que Jésus avait. Il était un homme mince, un homme frêle. Alléluia. Frêle et puis il est jeune. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Comme un rejeton. Comme un rejeton. Qui sort d'une terre desséchée. Qui sort d'une terre desséchée. Desséchée. Regardez les plantes qui sortent des déserts. Alléluia. Mais la terre est aride. C'est sec. Et tu vois la plante, elle grouille pour sortir. Quand tu la regardes, tu dis, hé, Yako. Amen. Ce n'est pas plante de forêt. Ce n'est pas plante de savane. C'est plante de désert. Alors regardez un peu la forme de Jésus. Oui. Il n'avait ni beauté. Il n'avait ni beauté. Alors Jésus n'était pas. Jésus n'était pas. Oh. Aïe. Jésus n'était pas beau. Il n'avait ni beauté. Il était frêle. Donc un homme qui était mince, chétif, mais qui n'était pas en plus beau. Oui. Ni éclat. Il n'avait pas d'éclat. Pour donc l'éclat c'est quoi? C'est qui brille. Donc sa peau était, c'était mat, c'était terne. La couleur de sa peau, c'était pas une peau brillante et quoi? Éclatante. Amen. Quand tu regardes dans l'assemblée, tu vois l'éclair, les... Alléluia. Mais est-ce qu'on est ensemble? Quand tu regardes là, quand on regardait au temps de Jésus, on ne voyait rien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire qu'il avait une peau qui n'était pas éclatante. Alléluia. Il avait une peau qui n'était pas éclatante. Vous mettez toutes les générations, les blancs, les blancs, les rouges, les jaunes, vous mettez les noirs. Parmi ce groupe d'hommes-là, quel est celui qui a la peau qui n'est pas éclatante? Donc il avait la peau d'un homme noir. Alléluia. Une peau qui n'était pas éclatante. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Oui. Ni éclat pour attirer nos regards. Ni d'éclat pour attirer nos regards. Je vous dis une chose. Un homme peut être de dos. Et puis il est clair. Ou une femme claire. À partir du moment où tu vois l'éclat de sa peau, ça prête un peu attention. Ou il est extrêmement noir, ça prête attention. Alléluia. Les deux extrêmes. Vrai ou faux? Amen. Amen. Mais il est dit qu'il n'avait pas d'éclat pour attirer nos regards. Donc c'était une couleur et une couleur. Est-ce que quelqu'un me... Oui mon frère. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et son aspect. Attends, quand on dit ton aspect, ça veut dire quoi? Son style, on dirait qu'il vient de... Alléluia. Quelqu'un peut l'amener fortement? Parce qu'on dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire qu'il était sans style. Mais regardez aujourd'hui, nous aujourd'hui là, comment on s'habille? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
pourquoi il avait une robe avec une couture unique. Pour dire qu'il s'habillait simplement. Ça n'attirait personne. C'était un homme effacé, un homme modeste, un homme simple. Un, il n'y avait pas beauté. Deux, il n'y avait pas style. Trois, son thé même, il y avait quelque chose à dire dessus. Alléluia. Quatre, sa forme là, si vent passe fort, il y a problème. Heureusement que chaque fois qu'il passe, il dit, je ne suis pas seul, mon père avec moi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ça, notre maître. Et nous sommes fiers de dire son portrait. Alléluia. Quand tu es né d'un père qui est infime et qui n'a pas eu la grâce d'être guéri par la puissance de Dieu, n'aie pas honte de ton père qui est infime. Alléluia. Alléluia. Quand tu es né de tes parents qui sont pauvres, n'aie pas honte de tes parents qui sont pauvres. Car c'est Dieu qui rend riche, c'est Dieu qui rend pauvre. Alléluia. Quand tu es né des parents qui ont des défauts corporels, qui ne sont pas beaux, qui sont laids, n'aie pas honte de présenter ton père, ta mère aux hommes parce qu'ils ne sont pas jolis. Non. Il faut faire le portrait de ton parent tel qu'il est. C'est une grâce de Dieu. Alléluia. Toi, tu vois ça en vilain. Tu vois ça en laid. Tu vois ça en dépravé. Mais est-ce que tu sais ce qui est caché en bas de ce que tu ne vois pas? Alléluia. Alléluia. Alors, nous n'avons pas honte de présenter notre Dieu, notre Seigneur, notre Maître tel qu'il est. Nous n'en avons pas honte. Alléluia. Mon frère, tu habites où? J'habite à Cocody. Mais il faut dire où tu habites. Qui vous a dit que Cocody là c'est lieu d'habitation? Alléluia. Même si tu vis dans une cabane, sur une montagne, dans un trou, si c'est là que tu habites, c'est les moyens que Dieu t'a donné pour que tu y habites pour le moment. N'aie pas honte de cela. En montrant là où tu habites, celui que Dieu a envoyé là-bas, là, par la grâce qui le suit, il peut t'enlever de là. Alléluia. Mais tu habites où? Ah non, c'est-à-dire que bon, je ne suis pas sur place, je suis en déplacement. Bon, mais toi tu es toujours en déplacement. Tu as honte de là où tu habites. Alléluia. N'aie pas honte. Dis à ton frère, n'aie pas honte. Sois ce que tu es, n'aie pas honte. Alléluia. Alors il y a des gens, on dit donne ta photo. Ils s'en prennent photo d'une mise pour mettre sur son profil. Alléluia. Parce qu'il a honte de son corps, honte de son visage, honte de sa voix. Mais nous n'avons pas honte de notre maître. Pourquoi les gens aujourd'hui vont prendre les photos d'un artiste, les photos d'un acteur pour le mettre dans leur maison, dans leur bureau, alléluia, dans leur téléphone, pensant que c'est le Seigneur Jésus, parce qu'il refuse le vrai visage de Dieu. Mais si tu as refusé son vrai visage, tu vas refuser sa vraie parole. Alléluia, alléluia. Il n'y a pas deux pères, il n'y a pas trois pères. Il y a un seul. Même quand il est laid, c'est ton père. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple du Dieu vivant, il y a un message pour vous. C'est le message de la vie, le message de la résurrection, le message du salut, le salut de vos âmes, aujourd'hui et pour toujours. Christ nous bénisse.